Et bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur eSport FA, on est là, c'est la journée 7 et 8 sur PS4, 8 et 9 peut-être, écoutez, hein. Je m'appelle Tatane et Misa va être avec moi sous peu, je ne sais pas ce qu'il fait, mais on est là jusqu'à à peu près minuit ensemble pour revenir sur tout ce qui s'est passé au niveau du football, hein, on va pas se mentir, du club pro. J'espère que vous allez kiffer cette soirée. En tout cas, il y a Krix là qui nous a quand même fait un beau beau live ce soir, donc ça continue jusqu'à minimum minuit, même un peu plus, c'est possible que ça déborde un poil. Alors, est-ce que Misa est là? Allô, allô, allô? Est-ce que vous êtes là, les gars? Non. Ok, et ben c'est parti. On va vous afficher du coup la journée, hein, en attendant que Misa daigne arriver. Il y a eu vraiment pas mal de jolis matchs, hein, ce soir pour avoir commencé à regarder. Je vous le dis, vous allez vraiment passer une bonne soirée là, avec tous les résumés. On va rapidement essayer de charger la fiche. Donc c'est J8 et J9, hein, voilà, soyons précis. On a aussi un invité qui va arriver aujourd'hui. Ce sera. Roulement de tambour. Monsieur Moff Tarkin. Gardien de Mafia Mila, qui a fait une très grosse journée lundi. Ils avaient perdu 2-1, les hommes de Mowgli. Mais, mine de rien, le GK était vraiment présent, et donc aujourd'hui, il sera notre invité. Allez, c'est parti, on se rentre. Non, on rentre dans l'émission, l'Extra Time, avec Misa qui est là cette fois, c'est bon? Salut les gars! Salut, Misa. Bon, t'es en retard, hein? Ouais, j'avais un petit souci, mais du T'inquiète coup, pas, je on t'a suis là. attendu. On t'a attendu. On va finir Alors, le match. hop, j'affiche du coup la J9 et plutôt la J8 même. Elle est là, donc NSNYB10 Alliance face à MGFC, Mafia Mila Soli Sport, Peste Capulaire, Orcs Grand Poitiers, Lion-Duchère RNS Sport et Alerion Legacy Atletico MRS qui signifie Marseille. Alors, qu'est-ce que t'en dis, toi, de cette première journée? On a fait un tiers du championnat et Oh ben, oui. du coup maintenant ben, les matchs commencent à devenir de plus en plus importants pour chacune des équipes qui doit ben, prendre des points pour remplir les objectifs de fin de saison. Là, on va arriver sur un mois de mars intense et on va voir ben, qui c'est qui ont été les gagnants de ce mois de février. Et ouais, qui ont été les gagnants, les perdants. C'est vrai que le mois de février, il est très important dans ce championnat. Et on va commencer tout de suite avec du résumé, hein. On n'est pas là pour se gratter les couilles. Notre invité, donc, je l'ai dit, il arrivera juste après, hein, par contre. C'est normal s'il n'est pas encore là, ils sont en train de terminer. Alors, je te propose, comme ça, un petit peste scapulaire face à Orc Grand Poitiers. C'était commenté par Allez. Krix en plus, donc on le laisse commenter à tout de suite. Avec la peste qui va avoir cet engagement et c'est parti tout de suite dans ce match. On va attendre de voir un peu ce que les équipes vont proposer en termes de plan de jeu. Est-ce que on va être du côté de la peste dans une phase de possession, enfin dans des phases de possession un peu plus classiques. Attention à cette erreur du gardien tout de suite qui est sorti le premier but. Qui profite à Hall, ça combine un peu là avec Monsieur N'Golo. Oh la frappe de N'Golo. Bonne parade cette fois-ci de Wissam avec Creed. Creed qui donne un bon ballon pour casser des lignes. Et le changement là tout de suite sur Monsieur N'Golo. N'Golo qui remet ça dans l'axe. Un peu loin, pas assez dosé cette passe. Et attention encore une fois N'Golo, la frappe de N'Golo. Et le but cette fois-ci de N'Golo Kantin. Belle frappe là du pied gauche qui vient croiser sa frappe en pleine lucarne. Wissam qui ne peut rien faire dans ses cages. Et ça se solde là du coup pour un 2-0. De passe courte. Et maintenant pourquoi pas un centre à venir. Papy qui va faire un petit passement de jambe pour venir. Et attention, pénalty je crois. J'ai pas vu la faute. J'étais concentré sur le ballon. Et je crois qu'il y a bien un pénalty. Oui, pénalty à suivre. C'est Bowest apparemment qui va s'en charger. Pourquoi pas le 3-0 dès la 32e de minute. Et cette frappe, c'est tiré au milieu, je crois bien. Et Bowest qui vient crucifier le gardien de la Orcs. Ah non, oh là là, mais je suis complètement perdu autant pour.
pour moi, c'est Boas plutôt qui vient remettre un peu d'enjeu dans ce match-là. Il y avait 2-0, 2-1, c'est de cette première mi-temps. 2-1 dans cette première mi-temps. Ennius, est-ce qu'il va faire le bon choix? Le bon ballon pour Boas avec Malte qui donne un bon ballon à Papy. Malheureusement, il tarde un peu à faire ce centre, mais le bon pressing instantané. Ils sont aux abords de la surface et Malte qui vient frapper, égaliser. L'action était juste parfaite. Ils sont pas précipités là sur ce centre raté. Ils sont revenus en retrait, trouver la solution et une bonne passe là en plein axe pour Malte qui vient crucifier le gardien de la Orks. Le temps additionnel, 2 minutes. 2 minutes à suivre. Tidus qui dégage avec N'Golo Kanta. N'Golo Kanta qui est repris. Il va pas pouvoir donner ce ballon là à Kevin. Qui était parti en profondeur avec Nus. Pourquoi pas maintenant? Le gardien qui sort bien. Malheureusement, ça ne droit à rien. Et je pense que l'arbitre, voilà, va donner le coup de sifflet final. C'est fait. Match nul. De partout. Entre la Peste et la Orks qui se partagent les points. Avec la Peste qui va avoir cet engagement. Et c'est parti tout de suite. Et oui. Rebonsoir, j'ai fait le con, hein, je vous ai vu, j'ai un peu fait une connerie, excusez-nous, j'espère que le résumé vous a pu quand même bien profiter. ça arrive, hein, ça arrive, c'est normal. Sinon, c'est pas un bon live hein, si on fait pas des petites conneries. Alors, on va essayer de remettre tout ça en ordre. Tac, et normalement, le message de Kevin, en tout cas, qu'on salue. Là, bon, écoutez, je sais pas si le chat va s'afficher avec ce que j'ai fait là, du coup, excusez-moi. Alors, voilà ce match, donc 2-2. Si on pouvait dire Orcs, c'est pas la Orcs. Bah écoutez, oui. c'est noté. Après, hein, c'est bien sûr notre ami Krix qui a commenté aujourd'hui. Misa, il dit tout le temps Orcs, lui. Hein. la Horde, plus précisément. La Horde, oui. Mais après, c'est vrai, bon, voilà, pardon. Après, hein, franchement, les mecs, c'est pas simple. Comprenez-nous. Mais on fera des efforts, on va essayer de retenir. Alors, donc on a vu le match. Salut Bad Guns. Salut Bad Guns. Et donc ça fait 2-2. Alors est-ce qu'on va pas... Votre invité qui arrive, ouais, notre invité va arriver sous peu. Il est chaud patate. C'est donc Moff Tarkin, hein, je le répète un peu beaucoup. Et merci pour le follow. Merci Guada. Donc au final on va... Enchaîner, pas d'analyse sur ce match, c'est bon. Peste Orcs, donc il est 2-2. Bah, la Peste qui vient d'affronter donc, un des favoris aussi aux places qualificatives ou au titre de ce championnat. Donc avec un SN, une défaite. Là, il vient d'affronter Orcs, un match nul. Donc c'est plutôt un bilan moyen. Il faudra voir contre Alliance ce qu'ils vont faire au niveau des résultats. Et par rapport à la Orks, donc c'est deux matchs nuls, vu qu'ils ont fait match nul contre Alliance, c'est match nul contre Pest et une défaite contre NSN. Donc c'est plutôt pour l'instant NSN qui sort gagnant de ces confrontations directes. Je pense que le point du match nul n'arrange pas vraiment les deux équipes. Et non. Alors du coup, on a vu ce match. Et si, merci encore pour le follow, on allait voir ce qu'a fait le leader NSN. Justement, ouais. Ouais, c'est avec le moment de savoir. Attention, on va continuer à suivre. Aujourd'hui, ils affrontent YB10. Alors, attends, je vais quand même réfléchir à te mettre le match aussi, parce que sinon, c'est moyen. Excuse-moi, mon petit Lisa. Excuse-moi. Et du coup, en même temps... YB10 qui était un peu... pas très très bien dans ce championnat là, qui a plutôt bien démarré la première semaine. La deuxième semaine était un peu plus compliquée. L'NG, ils ont perdu 2-0 contre MGFC. Donc on va voir aujourd'hui s'ils ont réussi à faire un exploit, hein, parce que vu leur début de championnat et vu le début de championnat de NSN, une victoire sur un exploit, je ne connais pas le résultat. Je suis comme vous et je suis impatient de voir ça. Tatan est en train de faire les dernières. Ouais, je suis un peu... Dernière préparation. C'est Murtakin, il a du mal à trouver le plateau, on va dire. Et on est bon. Allez, résumé, go.
Donc Eric Bédis en noir et NSN jouera en blanc aujourd'hui. Merci les mecs encore du follow, ça fait plaisir. Vous êtes très nombreux à nous follow aujourd'hui, merci beaucoup. Avec Mika là, qui va jouer dans l'axe pour Brusimovic avec Arc Spain et la frappe. Ouh, magnifique arrêt. Malheureusement, ce sera pas assez fort. But pour NSN. ça fait un peu chambrage ce que je viens de faire, c'est vraiment pas cool. Donc NSN qui ouvre la marque là. Avec Anto qui... Bah, je sais pas ce qui se passe, c'est vrai que c'est rare hein, ce genre d'arrêt là. Ah, c'est les gardiens, ils sont pas trop en réussite cette saison UEFA. Et là encore la sortie. Et du coup, c'est Arc Spain, excuse-moi Misa, mais là, Anto Villiers qui fait un début de match assez catastrophique. Ça permet à NSN de mener 2-0 face au leader. C'est peut-être pas le bon plan hein, de rater ces 3 premières minutes. En effet, voilà, 2-0 face à une équipe qui est solide, qui est en pleine confiance. Ça va être compliqué, je vois pas trop Y Bédis revenir, mais bon. Et attention, là, Mika qui va récupérer, ils ont tenté de relancer court, mais ça marche pas. Et la frappe de Brick, ouais, il va aligner la défense. Là, il y a vraiment. C'est mort, quoi. C'est très compliqué quand on perd le ballon à cet endroit-là. Il y a des. 41ème minute, toujours 3-0. Seulement la première mi-temps. Seulement. Arc Spain qui frappe le poteau. Bon, là, ils sont. Ouais, Samiru qui dévie dans ses propres cages. Ouais, c'est toujours agaçant ce genre de but qui revient, le ballon qui revient sur le joueur. Ça agace toujours, mais bon, avant il y avait poteau aussi. Et Arc Spain là qui va trouver la barre. Et c'est fini sur ce 4-0. Début de match qui a vraiment flingué YB10, on peut le dire. Voilà, ça va être compliqué là. Faudra voir à la journée 9, on verra un peu plus tard dans la soirée ce qu'ils ont fait. Ouais, ça semble un peu compliqué, mais bon, on ne doute pas que Yacine Dreux va trouver les ressources nécessaires pour relancer son équipe et aller de l'avant. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Il ouais, y a Kevin qui rigole bien devant le résumé. Même Brick, s'il a marqué, c'est pour dire. Après, c'est chacun. Voilà, il y a des soirées où ça va mieux que d'autres. Et on va accueillir notre invité. Est-ce que tu es chaud, Misa? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est Moff Tarkin? Ah bah j'ai perdu Misa, mince. Il doit être en train de parler tout seul ce con. On va le rappeler, donc excusez-moi pour ces petits bruits. Misa, non, il est pas là. J'ai Moff Tarkin qui est là, salut mec. Yo. Alors comment va? Ça va, ça va. Ah, on a basculé. Je trouve qu'en ce moment t'es en bonne forme hein. ouais ça va, bah ouais, ça comme va, d'hab ça. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Non, mais on t'a vu lundi, on a bien apprécié, donc on va voir aussi ce soir ce que tu as pu faire. En tout cas, merci hein, d'être notre invité. Avec plaisir. Sinon, c'était Juju de Mafia Mila, donc... C'était qui, sinon Julien. Juju, c'est un mange-merde qui joue lié droit. Ah ouais, c'est nous les mange-merdes. Voilà. On a Misa qui... Voilà. Non, je rigole. je rigole. Il passe le bonjour. Oui, nous aussi on lui passe le bonjour et puis voilà. tu commences bien donc il y a des soirs où ça va pas, c'est MK qui le dit aussi en parlant de NSN YB10, c'est clair. Nemesis qui dit c'est qui l'invité? Moff Tarkin GK de Mafia Mila s'il vous plaît. En parlant de ça, je te propose d'aller voir ce que tu as fait. Alors ah oui non, c'est la journée d'après, bon on va finir sur la J8 et on ira voir après ce que tu as fait face à Mafia Mila, non face à NSN. Alors, salut champion, on te dit. Hein. Tu vois, déjà, la belle accueil. Merci. Alors, au niveau des journées dans la J8, on est allé voir. Tac, tac, tac. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus beaucoup de matchs. Il y a Alliance face à MGFC qui devrait arriver sous peu. Est-ce que Misa. Ouais. Il y a. Non, Misa, il m'envoie MGFC Pest. Bon. on a pas mal de matchs, peut-être, de la journée d'après, visiblement. Hein. On va voir ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'on les a tous vus. Boum. Ah, j'ai peut-être Alliance MGFC. Du coup. Ouais. Ouais. C'est toi qui l'as fait, ouais. Ouais, ouais. Je l'ai fait. C'est juste que je l'ai pas mis dans mon petit logiciel, mais je l'ai fait, donc il arrive tout de suite. Ce serait dommage que j'ai fait un résumé pour rien. Hein. Et le match entre RNS et Atlético Marseille, ça c'était la journée 9. Il y avait RNS Lyon-la-Duchère. Pour la journée 8. Voilà. On n'a pas les résultats, mais ça va pas tarder, ça sera le fil rouge. Ça va bientôt tomber. Ouais. Alors, est-ce que, du coup,
Mon petit Mouftarkin, tu vois l'écran là. Je t'explique, hein, comme Ouais. ça tu peux voir avec nous. Eh ben écoute, c'est parfait. Donc, on va se lancer le match. Alliance MGFC, il est là. Donc, Alliance joue en bleu, MGFC en rouge aujourd'hui. Et dès la 38e, c'est parti là. Avec Dello qui est obligé de jouer derrière. Et quel but! Quelle C'est. horreur ce genre de but. Mais je Quelle m'attendais pas du horreur. tout à ça. Misa, commentaire? Eh, ce FIFA, il nous surprendra toujours, hein. Et comment t'as réagi toi du coup? Bah, j'étais plutôt content là, sur ce coup, je peux pas te mentir. Attention, la Totor qui vient de trouver là l'équerre et s'est remis par Nini. Ah, elle ne peut pas revenir malheureusement, le GK de MGFC là. Ça fait 1-1. Bon, là encore, le GK qui revient pas, c'est assez étrange. On va dire que ça fait 1-1 dans les buts bizarres. Ouais, Même si bon, le premier était vraiment encore plus chelou. ah, le premier était vraiment chelou là, ben, ça tape la barre et ça revient, c'est toujours agaçant comme je vous disais tout à l'heure, le ballon il revient toujours sur le joueur après la barre ou le poteau. Ouais, en tout cas, un match pour l'instant assez étrange, mais dès la 59e, c'est Nino Pat qui va mettre une magnifique passe pour Totor. Et il a pas raté le coche, merci pour le follow, ce but est énormissime. J'ai pas arrêté tout le match de leur dire de prendre Totor. Non, il a réussi à se créer deux, trois bonnes occasions et d'inscrire un doublé. C'est vrai Bravo qu'il à est en lui. forme, Totor. Et c'est la 84e minute, MGFC qui pousse. Avec Dimar. Et ouais, là, Dinar qui récupère. Oh, magnifique geste, la roulette là. Ouais. Vraiment un but d'anthologie là. 2-2. Ah, il nous a régalé la Zazou encore ce soir. Ah, ouais, c'est vrai que Zazou a mis un but somptueux comme Totor. Bah, quel plaisir. Hein, ce match est à la fois étrange et beau. C'est un match qui est assez singulier, ça fait plaisir à voir. Mais il reste quand même une dernière occasion. Avec Nino Pat, il a frappé. Magnifique arrêt. Donc, on peut se dire que c'est fini. Maintenant, c'est la 91e, tout devrait bien aller. Et là, Fou qui sort du terrain, qui a bugué, il me semble. Ah oui, mais ça n'a pas été concrétisé. Ouais, t'as Zach, il a été plutôt fair play. Je lui ai dit de tirer, hein, je vais pas mentir, je dis tire. Ouais, Hein. bah ouais. Aime-le, il a pas tiré. Je sais pas s'il a été fair play ou il voulait y aller tout seul jusqu'au cage. Tant mieux pour le jeu, on va dire. Tant mieux pour le match. Parce que ça aurait été pas beau de le gagner, mais après, ça fait partie, ça bug. On a déjà eu des bugs et tout le monde en aura. La roue tourne, ça s'équilibre un peu. C'est comme les arbitres. Au fur et à mesure de la saison, ça s'équilibre les bugs. Ouais, bah, ça, je sais pas si c'est dit. Hein. C'est un théorème assez. Voilà. Il y a toujours des managers qui vous diront, bah dites-nous dans le chat, les joueurs, les managers, est-ce que ça s'équilibre d'après vous les bugs dans la saison ou pas? On suivra ça et. Ouais, dites-nous, mais enfin, je vois pas perçoit sur quoi ça pourrait s'équilibrer. Genre, tu sais, il y a un mec, il a un cahier comme ça, là, tu sais, il est comme ça, il est là, il note. Bon, alors, Misaï, c'est fini une fois, ça m'étonnerait, quoi. Merci, monsieur Némésis. Je n'ai pas suivi, mais c'est vrai qu'on remercie souvent Némésis. Alors, non, Misa, merci, prochaine question. N'Golo, il attend des questions à Fapoint ou à. Il s'en fout. Donc. On n'a pas dit qu'il y avait de jeu pour le moment. Ouais, on n'a pas dit, on n'a pas dit, bien sûr. Du coup, on se remet le petit truc. Je pense qu'on a fait cette journée 8 et qu'on peut passer à la 9. Hein, Ouais, j'ai un petit match, mais bon, pas en version top, top, top. Genre, pas découpé. Pas si tu l'acceptes ou pas. C'est vas-y. RNS LDS sur Twitch directement. Ouais. Ok, mais à une condition. Tu parles d'un truc intéressant pendant 30 secondes. Ouais, y a pas de souci. On va faire ça. Bah, bonne Alors, est-ce chance. que tu peux me mettre le classement des buteurs, par exemple, à l'écran? Ah oui, non, mais toi, t'as rien compris. Si je vais chercher un stream, justement, je peux pas faire autre chose. Il fout, lui. Ah ouais, d'accord, je Mais t'envoie ça. oui. Non, mais attends. Non, mais on va. C'est bon. Donc, tu as On dit est pas LDS. mal. RNS contre LDAS. Donc LDAS qui avait surpris un peu, qui était un peu la surprise de la soirée avec leur match de folie l'Engie, où ils étaient menés 1-0 par Allerion et dans les toutes dernières minutes ben, ils ont Ils ont réussi su à marquer revenir, ouais. 2-1, ouais, 2-1 carrément, grâce à Tariq et Aziz, les deux joueurs d'origine d'Avignon.
Et donc on va voir ce soir ce qu'ils ont fait contre RNS. RNS, eux aussi, qui ont fait la même chose, un peu dans le même style, même si c'était pas vraiment dans les dernières minutes. Ils ont joué contre Mafia Mila, Guadarod, l'attaquant de Mafia, qui avait inscrit le premier but très tôt, à la 11e minute. Et c'est après, en deuxième mi-temps, il me semble que RNS avait égalisé, et Jusinovic, il me semble, si je le prononce bien. Magnifique reprise de volée, c'est vrai. On vous repassera limite à la fin du live, on vous remettra le flash de lundi, comme ça vous pourrez revoir ce que dit Misa. Mais c'est vrai que le but était assez somptueux, ouais. Et là, Kardèche qui va pouvoir décaler. Alors, je sais pas trop quand c'est qu'il faut mettre. C'est au risque de. Je vous le dis, là, on est en freestyle, on peut rater un but, on peut rater un truc. On va se balader un peu, on va picorer ce live avec un petit corner là à la 16ème. Lyon Duchère qui va frapper. C'est Gomis qui frappe les corners. Ouais, c'est ça. Et ça ne donnera rien. Bon, on va avancer un peu. C'est deux équipes qui sont un peu en concurrence dans au niveau du classement et qui avaient tout intérêt à prendre le dessus sur l'adversaire. Ouais. Toujours 0-0 à la 34e. Bon. je sais pas trop où tu veux m'emmener, Misa, je te le dis. Et là, attention, Gomis qui frappe. Non, il va décaler encore, Aziz. Et c'est le poteau. Oh là 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 là, ça a chauffé sévère là. Hein. C'était chaud juste avant la mi-temps. Ça aurait pu être bon. On parlait justement d'Aziz et de Tariq, Gomis. On n'a pas vu XS3 Neymar sur cette saison 2. L'attaquant qui était très très en forme lors de la saison 1, Tatan. Ah, ouais. Là, comme ça, je t'avoue que ça ne m'évoque pas des mille et des cents. Ouais, mais... je pense qu'il a été transféré à l'intersaison. Là, on n'a pas eu transfert en Soum-Soum. En Soum-Soum, oui. Ah bah d'accord, bah merci à lui d'être passé en tout cas, hein. C'est comme on pourrait dire. Bon, ce résumé qui, ma foi, est bien sympa, hein, comme ça, sans montage, on va regarder cette action avec Osman Lee et c'est Elvin qui intervient, 0-0. Si tu m'as fait venir pour un 0-0, Misa, attention. Hein. Il y a El Paki là, Manan en MC là. Sur... Attention, la frappe avec Aziz qui dégage, Gomis qui marque. On s'est pointé vraiment là où il fallait. Ça fait 1-0 pour Lyon Duchère. Gomis était bien présent. Mais ils ont, j'ai l'impression que Lyon Duchère a quand même dominé le match. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont un peu mieux. Et donc, du coup, ouais. Ça se concrétise au tableau d'affichage. Alors là, on va suivre ce corner pour Virus. 1-0, c'est beau, ouais. C'est beau. Ah bah. Là, Lyon Duchère, attention. Magnifique arrêt de Greg Degrec. Parce que celui-là, il allait chercher très très haut là dans le ciel pour faire une retournée. Et. C'est pas mal hein, de voir ce match avec l'attention entre surface Kardèche qui va ouais, s'il se retournait je pense que ça aurait fait mal, mais il a pas réussi. 77e 1-0. Lyon Duchère réalise un très bon début de saison, t'attends par rapport à la saison 1 où ils étaient vraiment en difficulté, qu'ils luttaient pour sortir du bas de tableau. C'est vrai. Alors Mof, n'hésite pas à prendre la parole à tout moment, hein. Tu es chez toi. Après moi je découvre. Tu peux faire des punchlines du clash, tu n'hésites pas, mais nous aussi t'inquiète pas. Kardèche qui frappe et là ça fait 2. Ouais. Ça fait 1-1, pardon, égalisation de Virus. Bah c'est bien senti ça, Kardèche, on sentait que là, déjà tout à l'heure il a voulu se retourner, il voulait marquer. Et... Bah là ça y est, c'était pour la 86ème. C'est ça. Et je pense que si Misa m'a fait venir, il doit rester peut-être un but. La Greg qui fait un arrêt. Ça va se terminer à je ne sais pas combien. Ouais, je pense qu'il va se passer un truc. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il va pas finir pour rien. Si c'est pour rien, bon, on verra. Moi, c'est un résultat qui n'arrange personne. Là. Ils vont essayer de pousser jusqu'au bout. Ils vont essayer de tenter le coup. Ah non, et c'est fini comme finalement, ça. L'arbitre sifflera et mettra un terme au match. Un résultat qui arrange personne, non, Moff Tarkin, toi qui vois le classement un petit peu, enfin, qui suit le championnat, est-ce que tu penses que ça arrange plus ou moins une des deux équipes ce match nul? Alors perso, j'ai pas vu du tout, je sais pas où on en est hein, au classement, nous je sais qu'on est en bas, mais depuis arrange, c'est comme ça. En tout cas, ça vous arrange. Ouais, après, généralement on s'en fout un peu, on démarre assez lentement et puis après on accélère, donc c'est pas un problème, mais ouais, non, on a galéré un peu. Après, c'est vrai qu'on regarde pas trop les équipes, on s'en fout de qui on joue. On est là pour taper tout le monde. Là, ce soir, on s'en est bien sorti. Après, on verra par la suite. Il y a Marty Gnech qui dit Tatan, tu es le plus beau. Bah écoute, envoie ton 06, je sais pas qui tu es. Il y a des gens comme ça qui laissent des messages. Donc, on va enchaîner avec la J9. Ça y est, très belle J8 hein, en tout cas, franchement, très bon cru. On va enchaîner avec Mafia Mila face à NSN. Hein. Je vous le dis, j'en peux plus là, j'aimerais qu'on voit le résumé du match. Bon, c'est pas très long, mais
C'est de bonne qualité, je vous le dis. On espère en tout cas que tu es prêt à revivre ce moment, mon petit Moff Tarkin. C'est tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Attends. Qu'on fasse pas d'erreur. NSN, il est là le match. Allez, c'est parti. La MIM Arena qui accueille ce match et qui accueille le leader du championnat UEFA. Avec là le décalage. Luke Mailogo qui va tenter de dégager. Brick qui frappe de loin. Et bel arrêt du gardien. La menace était réelle. No cheat. Qui va décaler maintenant. Simovic. Quel arrêt de Moff Tarkin. Là, celle-là, elle est importante quand même. Hein. Ouais, après, bon, c'est des arrêts qui sont plutôt simples pour nous. La défense défend bien. C'est plutôt bien qu'on ait des arrêts à faire comme ça. Ouais, après, c'est pas plutôt le genre d'angle où tu peux te faire avoir avec le Ça poteau va, ça va, ça va. On va dire qu'il y a pire. ou... En tout cas, là, ça, c'est parti avec Birub et la bonne sortie d'Overkiller. Il a veillé au grain. Là, les 46e minute, juste avant la mi-temps, les nichons. Il arrive, il joue sur Mika. Ah, ouh, ah oui, d'accord. Ça, c'est relou, hein. Ouais, après, heureusement que ça se finit comme ça. C'est clair, c'est vrai que là, il y a une incursion comme ça en pleine surface. Et deuxième mi-temps, 67e minute, c'est bien bloqué ce ballon. Bon, ça va, pour l'instant, t'as pas trop transpiré. Non, ça va. Et là, peut-être avec les nichons. Ouh, c'est boxé. Ouais, on n'aime pas trop des Aurait fois. pu l'attraper, ça aurait été pas mal. Ouais, c'est vrai que ça peut des fois causer des problèmes en plus. Et Birub qui va décaler. Tomlinson qui a dit non. Maintenant, Juju là, il arrive dans la surface. Ouh, NSN n'est pas bien. Et quand même, non. NSN s'en sort. Zizou dégage. Et ça va être la fin du match. Moff Tarkin se saisit du ballon en toute sécurité. Il visite sa surface et relance. Ouais. Non, on a vraiment fait un bon match contre NSN. On savait que ce serait compliqué, mais au final, on a eu plus de mal contre Sol Espoir que contre NSN. Au final, on s'est dit, allez, NSN, c'est de l'eau, et puis voilà. Donc, Alors, Sol mais Espoir, non, c'était le premier match. Est-ce que tu as le résultat? non. Ouais, on a gagné 3-2. 3-2, d'accord. Victoire en fin de match? Oui et non, on a mal démarré. Après, on a accéléré un peu. On fait un match correct. Après, je pense qu'on aurait pu faire mieux. On aurait dû être un peu plus attentif. On fait deux erreurs, on prend deux buts à la con. Et Hmm? puis, et puis, et puis voilà quoi. D'accord. N'hésitez pas à commenter ce live, les Alors amis. après, j'ai pas le chat sous les yeux. Là, il y aura peut-être une réaction des copains de NSN. Donc, Bah écoute, ils ont pas voilà. l'air. Non, Je je les embrasse, sais ils le savent. Ils le savent. pas. Il y a Moff beaucoup en équipe Tarkin. de France en plus avec moi, donc. Eh oui, c'est vrai que tu vas disputer l'Euro prochainement. Bon, écoute, hein, on te souhaite bien sûr de belles parades. Ou Merci bien. peut-être de ne pas en faire et que... et que ça se passe devant. En tout cas, Ouais. on va enchaîner avec deux nouveaux matchs. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Misa? Pest MGFC? T'as envie qu'on te voie un peu? Oh non, on peut commencer par l'autre match, je sais pas, je pense qu'on... Ouais, Fait on va gêner. commencer par l'autre match. Il fait le gêner. Alors, eh Non, même pas, ben... mais il y a plus intéressant, je pense. Allergnon Orcs. Allez, pourquoi pas, allez, Rion Orc, ça c'est pas mal. Hop, allez, c'est parti. Ah oui, pour voir un peu à l'Arion, qu'est-ce que comment ils vont rebondir après l'NG, leur défaite. Et ouais, De avec rien là, contre attention, Sneaky Boy qui Alerion. arrive face au gardien. Il frappe. Ouh, c'est la bonne sortie là. C'est Kiri, hein, si je dis pas de bêtises. Me semble. Et là, il fait l'arrêt. Ouais, c'est bien Kiri. Attention, Kevin là qui frappe. Ah non, pardon, il frappe maintenant. C'est le but. Le commentateur dans le putain de bon timing. Ça fait 1-0 pour Orcs avec ce. Voilà. Cette Ah, frappe-là. ça c'est tellement énervant ça. Ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette animation? Bah là, je pense qu'on peut insulter le défenseur. Attention là, il y a vraiment une ouverture qui est créée. Sneaky Boy qui va décaler sur Kevin. Et il frappe Kiri à la parade. Il y a le corner qui est rapidement joué. Ça part au second. Et le but. Ou non, ça passe au-dessus. J'ai cru, franchement.
Le Galax là qui va trouver Poulsen, c'est magnifique. Robin Hood, voilà. Je suis pas dans ce match, hein, je vous le dis, je sais pas ce qui m'arrive. On m'a vu en meilleure forme, avec maintenant N'Golo qui va décaler. Allez, Golo, ouais. C'est dommage. Là, si elle passe, c'est 2-0. C'est même bien payé le 1-0 là, hein, à ce moment-là du match. Et la raquette, la classique. Classique sur corner, on va l'avoir tous les jours, tous les extra times celle-là. Il en faut une par soir minimum, c'est le tarif. Ah, c'est une raquette avancée là, tu vois. Et le décalage, même pas, N'Golo qui va lober tranquillement. Ah bah écoute, ça fait encore un joli but ça. 3-0 pour Orcs face à l'Arion Legacy. Ça va fort hein, pour la Orcs en ce moment. Ils enchaînent les bons résultats. Et là, l'arrêt de Robin Hood, et c'est terminé. Il quiz. Il rapporte de cette action. 3-0 pour la Horse. Ah, c'est étonnant quand même, parce que Alerion, c'est quand même assez. Assez propre, ça tient la route. Ça fait quand même mal de prendre 3-0 comme ça, par Horse. Bah ouais, puis après, bon. Ils ont. Alerion qui fait quand même un bon début de saison, donc ils peuvent peut-être passer à côté une fois de temps en temps, c'est pas très grave, c'est vrai. Mais bon, faut avouer qu'on voit quand même la Horse depuis quelques semaines là et qu'ils sont assez solides. Ah, je pense que depuis qu'il y a eu la reprise par N'Golo, il y a eu pas mal de petits changements. Ouais, on entend pas mal parler de cette reprise par N'Golo, c'est vrai. Elle fait du bien. Avec l'arrivée notamment de Kevin GDS, hein, il me semble, il arrive en même temps que lui. Et il est très en forme là durant la saison. Au niveau but. Alors ouais, il y a un par orcs qui fait rire là, j'ai pas compris. Je regarderai peut-être en replay, j'ai pas capté. Il était à 7 buts sur les 7 premières journées, mon cher Tatan. Kevin? 20 tirs et 15 cadrés. Soit une moyenne de 75% de tirs cadrés par match et une moyenne de 1 but par match. Il est quatrième au classement, donc avec ses buts aujourd'hui, il en a marqué. C'était un doublé là, ce soir qu'il fait, ou comment ça se passe? C'était N'Golo le deuxième? N'Golo, ouais, je crois pas qu'il ait mis un doublé ce soir. Excusez-moi si je dis une bêtise, hein, mais je crois pas. Après, Orcs, ça commence à être solide. Hein. Après, nous, on connaissait Orcs avant. Avant où, bon, franchement, je trouvais pas ça fantastique, mais là, c'est vrai que. Maintenant, c'est quand même une belle équipe. Hein. C'est plus costaud, c'est aussi plus beau à voir jouer que l'ancienne Orcs. Kevin qui dit 3 buts ce soir, alors du coup sur les deux journées, certainement. Et on nous demande de la Ligue 2 dans le chat, alors écoutez, c'est vrai que Extra Time doit aussi un petit peu revenir là-dessus. Cette semaine, c'est un peu plus compliqué. En général, pour la Ligue 2, quand même, on vous donnera rendez-vous plus le lundi, je pense. Hein. On se retrouvera plus le lundi. Et le dimanche aussi pour bien sûr. Pour l'hebdo. Ça, c'est un classique. Le dimanche, après, c'est vers 19h, 18h30. Extra Time. Il y a Vatos contre SPTK là, qui a joué ce soir, hein, il me semble. Tu veux faire un petit 30 secondes de résultat? Ça te fait plaisir? Voilà, Vatos contre SPTK. Donc, on a eu l'interview des deux managers hein, à l'avant-match. Et oui, en avant-match, il y a eu le groupe de Ligue 2, les mecs. Hein, attention. Il y avait eu Jimmy et Miguel. Miguel, le manager de Vatos. Et Jimmy, le manager de SPTK. Alors, on n'a pas la vidéo, donc je peux pas vous dire le score. Je viens de lire un truc, je suis atterri. Il y a Rimka, il a dit le dimanche, tout le monde dort. Il n'y a personne. Le dimanche. Il se trouve que eFootball Club fait des meilleurs chiffres d'audience que nous. Alors, ok, tu te calmes. Voilà, mais c'est un public différent. Il y a du monde le dimanche. Non, il y a du monde, hein, clairement. Il y a du monde. Faut pas croire. Et tant que ça marche bien comme ça, merci à vous. On va continuer. Que ce soit le lundi, le jeudi, le dimanche. Pas de problème. Et en avant-match aussi, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que c'était Vatos contre Red Star, pardon. Vatos contre Red Star. Et donc, c'est Vatos qui a gagné 3-1 contre Red Star. Ok. Voilà. Tellement de choses à dire que mon cerveau est en train de court-circuiter. Je crois qu'on va s'intéresser un peu à Moff Tarkin et lui faire une petite interview. Ouais. Allez. Bah oui. Alors, déjà première question, sur Moff Tarkin. Est-ce que tu peux, déjà pour commencer, nous expliquer la petite singularité qu'il y a chez Mafia Mila?
termes d'horaire. Ah, c'est vrai que nous, c'est un club particulier parce que c'est un club très ancien et c'est un club qui joue tardivement, qui commence à 22h. Après, c'est vrai que nous, les sessions, on commence soit à 21h30, soit à 21h45, soit à 22h. Mais moi, c'est un club qui m'a intéressé parce que mes dispos étaient concordés avec ça. J'étais pas dispo avant 21h45. Toi, 21h, ouais, c'est compliqué. Ouais, oui, parce que par rapport à mes activités autres, c'était compliqué. Après, c'est vrai que maintenant, quand on a des sessions chargées avec beaucoup de matchs, on fait l'effort d'être là à 21h30, ça pose pas de problème. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal, quoi. Alors, Picsou et Easy Skill, ils sont arrivés là, ça y est, non? Oui, ils sont arrivés à la maison. Ouais. Il y a N'Golo qui demandait quand est-ce qu'ils arrivaient. Ben, c'est fait. Du coup, ça fait combien de temps, Mafia Milan, que ça existe? Oh là 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 là, alors là je serais incapable de vous répondre, mais 2013. Ouais, oui, parce que moi c'est vrai que je suis arrivé sur FIFA en club pro, c'était sur FIFA 11, donc voilà, c'est vrai que ça fait une paire de temps, quoi. Ouais. Et ça c'est bien, enfin après ça, moi j'aime beaucoup ces clubs qui sont là depuis des années, parce que moi je pense que je En étant vraiment un pur ancien, on a vécu toutes les transitions, que ce soit FFC, que ce soit EGC, etc., etc. Et c'est vrai que c'est deux périodes complètement différentes. Et moi, je regrette un peu cette période d'avant où c'était beaucoup plus convivial, beaucoup plus fun entre les clubs. Maintenant, c'est vrai que bon, ça a pris des proportions, ça c'est clair, ça a évolué et maintenant c'est devenu une belle entreprise. Mais c'est vrai que nous, on aimait bien quand c'était un peu le forum FFC, que ça fonctionnait vraiment comme un forum. Ah oui, putain, les forums, forum, ouais. Quoi. Voilà, c'était ça à l'époque. Mais c'était formidable. Quand moi, j'ai commencé, j'étais au Fennec. J'ai découvert ça à l'arrache, comme ça. Et puis après, bah... C'est vrai que c'était une belle époque. C'était vraiment une belle époque, franchement. On était loin quand même de tous ces streams et autres trucs. Exactement. Même des feuilles de match de F1, quoi. On en était loin. Ah, ça n'existait pas. on te dit de faire ça, tu fais ça va pas ou quoi? Ouais, non, franchement. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps. C'est normal que ça évolue et c'est une bonne chose aussi pour nous et pour le club pro. Et je sais pas si tu as vu, donc cette semaine, c'est le forfait de l'Atlético Marseille. D'ailleurs, ce soir, bon, bah, les pauvres, ils ont encore perdu, notamment 6-1, c'est vrai qu'on l'a vu en live. Jagir, donc, le manager qui évoquait notamment des gens qui cherchaient son adresse ou des espèces de choses comme ça qui étaient rattachées à la vie IRL, donc, et en plus de ça, pas pour lui faire des bisous. Donc, qu'est-ce que toi, c'est quoi ton regard sur ça? C'est pareil, moi je fais partie de cette ancienne époque où nous on est très discret, nous les anciens, dans le club pro malgré tout. Et c'est vrai que voilà, quand on voit toutes les inscriptions qu'il faut faire, tout ce qui est en train de se mettre en place pour le club pro et même au-delà, hein, quand on voit maintenant les compètes un contre un, etc., etc., que oui, il y a la médiatisation, il y a tout. C'est pas évident, franchement. Je mettrais pas ma vie, je montrerais pas des photos de moi ou quoi que ce soit sur FIFA ou sur les jeux vidéo, quoi. C'est un peu compliqué parce qu'en plus ça prend des proportions démesurées parfois. Oui, c'est vrai qu'on peut nous demander des fois dans certains clubs avec projet ou quoi de mettre la photo ou des choses comme ça. Ça peut faire flipper. Ouais, je sais que moi c'est SO Londé là, il y a un bon 6 mois. Pareil, on m'a demandé de mettre la photo, ou je sais plus c'était quoi, tu sais, ce qu'on prenne une photo de nous genre en buste pour refaire soit des cartes fut ou une compo, ouais, ou un truc comme ça. Bah c'est vrai qu'il y avait pas grand monde qui l'avait fait, et moi le premier, j'avais pas trop la... Je sais pas, c'est vrai qu'il y a un truc différent. Mais bon, Après il y a des gens mal intentionnés, hein, quand on aussi, voit... Aussi, ouais, aussi. Quand on voit la rancœur que peuvent avoir des équipes entre elles, des joueurs entre eux, et puis maintenant on voit qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à investir financièrement, hein, sur des trucs, des projets, des machins, des ceci, des cela. Bah ça c'est cool. Ouais c'est cool, mais le problème c'est que parfois ça finit pas forcément bien, quoi. Ouais. Enfin bon, en tout cas on voit du coup une certaine vision que tu nous présentes, et puis merci de nous...
Nous en avoir dit plus. Alors, Avec plaisir. maintenant, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. On va savoir si tu es un bon coach. Est-ce qu'on t'a prévenu de cette séquence? Non, on m'a envoyé comme ça. On m'a dit il faut quelqu'un pour y aller. On m'a dit tiens Lucas, Ibra, tu parles beaucoup, donc vas-y. J'ai dit ok. Eh ben écoute, je vais t'expliquer, c'est le moment de connaître ta vision foot. On va te présenter un petit scénario, tu vois, élaboré, il y a même pas, enfin on l'a pas encore fait quoi, on va le faire maintenant. Et donc toi tu seras le coach, ce sera la mi-temps d'un match, tu auras 45 secondes pour nous parler, pour nous motiver, pour nous chauffer, voilà, pour faire le discours du coach. Tu peux Alors, c'est t'appuyer. les joueurs, c'est ceux de Mafia ou pas? Alors, tu peux t'appuyer sur le contexte et sur Misa et moi-même qui sommes là. Tu peux sortir les noms de mafia si t'as envie, tu sais quoi, n'hésite pas. D'accord, ok, d'accord. Très bien. Et du coup, je vais te présenter la situation de suite. Il faudrait vraiment que je les prépare à l'avance un jour parce que je me mets dans la merde à chaque fois, c'est ouf. En gros, j'en refaire une, tiens, j'en recycler une, c'est pas mal ça. Donc, on est sur un match championnat classique, on perd 2-0 à la mi-temps, ok, on joue une grosse équipe plutôt du championnat, et il y a une altercation entre. Alors, ça t'arrange, tu préfères que ce soit Misa et moi, tu préfères qu'il y ait des joueurs de mafia dans l'histoire? Après, moi je suis ouais, Altercation entre Misa et moi, ok, sur un but en plus, genre je suis le gardien, c'est le défenseur, enfin, ce que tu veux. Et donc, il y a de la tension dans le vestiaire, et surtout, il y a une défaite 2 à 0 face à un gros du championnat qui se profile, ok? ok. Allez, on t'écoute. Bon, bah, les gars, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, on a pris le but, on en parlera plus tard. Maintenant, faut se bouger le cul, on repart vers l'avant, et puis c'est pas grave, hein, on zappe, on a pris le but, hein, c'est pas grave, il va pas être annulé, donc on retourne au combat, et puis bah, si on doit perdre, on perdra, mais sinon il va falloir faire beaucoup mieux sur la deuxième mi-temps, au moins remporter la deuxième, et puis montrer qu'on est capable de faire autre chose. Voilà. Ah, c'est un coach qui n'utilise pas toute la mi-temps. Bon, là c'est écrit Non. 35 secondes et tout, c'est n'importe quoi, c'est un peu moins. Mais il te reste quand même pas moins de 25 secondes. Il y a Kevin qui te dit GG Genesio. Bon, bah voilà. Ouais, non, alors moi c'est pas. Moi là-dessus, j'engueule ma défense et tout quand il y a des trucs ou des conneries, mais sinon, non, je suis pas. En plus, je suis quelqu'un d'assez cool tout le temps, je m'embrouille pas souvent. Donc. Mais écoute, voilà, c'est Misa, t'en as pensé quoi de ce coach? Bah, c'était pas mal, ça sent un peu l'inspiration bah, de sûrement des différents coachs qu'il a eu au cours de ses années club pro. Est-ce que t'as été GM d'ailleurs, Moff Torkin, au cours de toutes Oh, ces années là? je l'ai été vite fait, mais j'ai jamais eu. Comme tout le monde, quoi. J'ai jamais eu l'âme. Ouais, encore moi, ça dure 2-3 mois, hein, même pas. Donc, mais ça, non, moi C'est pas mal, il y en a qui durent 24 heures. Ouais. Non, non. Non, mais Tu penses à c'est. qui? Non. Oh putain, la liste là, elle est longue là. 24 heures, c'est plus long qu'un an, quoi. Ah bah écoute, en tout cas j'espère que ça m'arrivera pas ce que tu viens de dire. Alors, du coup, dernière question quand même, Mof, on est d'accord que cette semaine, la Team of the Week, c'est pour toi. Ben, je sais pas, je me suis pas trop penché parce que apparemment il faut quand même gagner le match pour essayer d'être dedans, même si j'ai fait je sais plus 15 ou 16 arrêts je crois sur le match. Ouais, tu penses que deux défaites, une Ah, il y victoire. avait eu. Attends, Ouais, après donc je t'as sais fait pas, une victoire, une défaite et. Putain, on l'a vu il y a 3 secondes, j'ai oublié, c'est ouf. Et un nul. on a fait un nul, ouais. Voilà. Ouais, après. Donc tu penses ça, c'est Après ce qui va te plomber? Parce que sinon. Oh, après je sais pas, moi je regarde pas trop les. Je regarde pas les points, les trucs, les machins. Si je suis dedans, tant mieux, c'est cool. Après la priorité c'est l'équipe. Après moi j'ai fait un Oui, non truc mais je sais bien, mais là comme on a ici. vu un peu ta semaine, tu vois, à mon avis, moi je te le dis à mon Ouais, ça avis, serait cool. ça devrait Ça être. serait cool. Après moi je vais essayer de faire la même saison que la saison dernière où j'avais fini avec le ratio le plus élevé en nombre d'arrêts. Après là, bon, après ça serait bien. Je sais pas qui s'occupe de ça, si c'est Misa Je pense ou que autre. Misa n'est pas étranger à tout Ouais. ça, je pense. Bah Misa, j'aimerais bien parce que en fait sur EFA j'ai une photo, j'ai ma faute, je crois que c'est ma photo EFA, je sais pas quoi. En fait j'ai ça la mèche et si je suis dans la Team of the Week, eh ben je mets l'évolution en fait. Et mon objectif c'est de finir avec la méga évolution de Dracaufeu. Ah ouais, Voilà. pas mal, pas mal. Ça c'est D'accord, pas donc mal. comme j'en ai eu deux, je crois, la saison dernière, voilà, Comme si vous ça, on le pouviez, sait.
Voilà, et puis comme ça, si j'arrive avec la méga évolution de Dracaufeu, ça serait fort. Ok. Voilà. Alors là, par contre, la team of the week, ça risque d'être compliqué, parce que je viens de voir que tu viens de faire 0 clean sheet là sur les 3 matchs, c'est bien ça? Ah. Sauf contre. Ouais, un clean sheet, ouais. Un clean sheet, faudra voir les autres équipes, mais je vois qu'il y a personne qui a fait beaucoup de clean sheet là. Après, pour ma défense, je sais pas s'il y a beaucoup de gardiens qui arrivent à faire 15 ou 16 arrêts sur un même match. Bon, on va pas voilà. Trop. On verra bien. Misa, il va fumer de la tête après, on va. Y a pas de problème, y a pas de problème. On va aller voir Gary Bédis face à Lyon Sport. Je crois qu'on l'a pas vu, parce qu'on a vu Gary Bédis en SN, ouais, c'est ça. Donc il me reste celui-là, et je pense qu'après, c'est bon. Ah non, il y a MGFC, t'as pas voulu aller voir. On va aller le voir. Et puis bah voilà. Si, après, on peut le voir tranquillement, quand tu le sens. Allez, c'est parti pour Gary Bédis, après on ira voir MGFC. Et puis, bah, y a un jeu ce soir. Suspense, tu veux pas le dire? On va voir, on verra bien. Allez. On verra bien. Le live est bien costaud. C'est parti. Et c'est attaque directe hein, avec Guyur là qui va s'en sortir. Samiru récupère. Et il. Ouais, ça dégage. Bon. 51ème, 1-0-0 direct. On a attaqué cash. Donc ça y est, là ça va partir à droite. Avec Nignopat qui va décaler. Sauf que c'est sous FIFA hein, qui passe devant, même que là, quand même, il a déconné, Nini va frapper, but. C'était, bon, là, la relance était assez approximative. Hein. Ouais, en effet. Et du coup, ça coûte cher face à Alliance eSport, on peut pas se permettre. Et Payad Emre qui va décaler. Chris Ultra, là, qui fait une bonne récupération. Akiru qui décale sur Samireux, et le but. Merci, merci, le streamer. Elle est bel et bien rentrée, cette frappe. Hein. Ça fait un... Grimbé 10 qui aurait besoin de prendre des points en plus face à Lyon eSport, ce serait le bon plan. Et malgré ça, la perte de balle est mauvaise. 84ème, Totor qui part face au but. Il n'y a personne sur lui. Et il va aligner. Voilà, Antovillier ne peut rien faire. Ça fait 2-1 pour Alliance eSport. Juste avant la fin du match. Et c'est fini. Alliance qui réalise aussi un bon début de championnat. Vraiment, qui est régulière là, chaque semaine, qui réalise de très bonnes performances. Et on verra bien quand on va se rapprocher tout doucement du sprint final, voir un peu comment elle va s'en sortir. On sait qu'elle est un peu habituée parce qu'elle a fait un très beau sprint la saison dernière. Donc ça va peut-être lui servir un peu d'expérience pour peut-être faire la différence. Là, c'est un peu serré avec le match nul de LSN et le match nul de Alliance contre MGFC, ouais. Qui tient la bourre. Il y a Orc qui fait match nul contre Alliance aussi. Pas mal de matchs nuls hein, aujourd'hui. Ouais. Et la Peste alors qui a gagné la journée 8 ou pas alors? Je n'ai pas le La résultat. Peste qui a donc fait match nul 2-2 en journée 8 et je te propose de voir ce qu'ils ont fait en journée 9. Allez. C'est toujours sympa de voir la Peste, de voir la Peste jouer. Et ben on t'offre cette sympathie. Tout de suite. Avec Soulé de Marseille là. Qui nous offre une belle passe et c'est Bovest qui s'est rapidement fait reprendre par Rosé de Laka. Allez Mo qui va décaler sur Dinar. Et Misa là qui part. Misa seul par ce but. Attention Misa. Ouh il a raté son contre. Misa mais qui sort gagnant de ce 1 contre 1. Oh bah Misa, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour... Il fallait passer tout simplement, après le joueur... Tu t'es trop posé de questions, tu penses? Voilà. J'aurais pu faire la spéciale Zazu avec un petit râteau. Non. Ouais, c'est vrai que... Un bon gardien, oui, ça. Et là, Zazu. Qui nous régale. Ouais, c'est beau but là de MGFC. De Peste, pardon. Oh là le con. Peste qui a marqué. Excusez-moi. Avec Boet qui vient planter. De la 87ème. Excusez-moi auprès de tous les supporters de MGFC. Je trouve que le son est assez mangeant. Et du coup là. Boet, ils vont doubler. Oh là là, le doublé, ouais. Magnifique retournée de Boet. Ça fait 2-0. Boest qui était leader du score des buts marqués, pardon, avec 12 buts en 7 journées, 28 tirs, 21 cadrés. Il faisait du 1,71 par match. Donc là, il a mis 2 buts sur ce match. Ça va encore augmenter un peu son ratio.
Et ouais. Et le Il y a 10-0 qui a Sanchez dû beaucoup aider aussi. Ah oui, avec le quadruplé, ça aide effectivement. Donc il avait marqué 4 buts et c'est la différence avec Totor. Totor qui a 8 buts. N'Golo qui a dit dommage Valère Misa. Et ouais, ça va, tout compris. Alors, mais j'en ai vu rater quelques-unes aussi au début de championnat. Il voit tout de toute façon. Hein, faut pas mais elle était belle, là. Franchement, N'Golo, Lenji, il marque un beau but. Lenji pour égaliser contre Allianz. Une belle reprise de volée sur le côté gauche en deuxième mi-temps, c'était pas mal. On a Merog, excuse-moi si j'ai mal prononcé, qui dit c'est quoi la qualité du micro? Est-ce qu'il y a des problèmes? Quelqu'un n'hésite pas à nous en dire plus, mais c'est vrai que là tu nous fais peur, je te le dis. Tu nous fais flipper. Du coup, on va peut-être. On voit toujours les moments forts là. Il reste une minute de moments forts. C'est pour vous, c'est cadeau. Qu'est-ce que je vais dire? On va quand même mettre une petite image de Ligue 2, chantier de l'Allemagne. On va le faire. Tu sais, ils sont tous barrés maintenant, mais on va le faire quand même. Allez, ils verront le replay, hein, de toute façon. Dès le matin, 8h. Et oui. Donc c'est Vatos qui affrontait. C'est ça, c'est Vatos qui a affronté le Red Star. Donc Red Star qui a fait chuter BH3 LNG. Ouais, Red Star qui a fait chuter. Red Star, c'est un club en Ligue 2. Non, Red Star. Oui. Ouais, c'est bien ça. Qui a fait chuter donc BH3 LNG 2-0. Qui était invaincu, BH3 Most Wanted. Et Vatos qui avait fait 6 points sur 9. Une défaite 3-0 contre SPTK et 2 victoires avant la 4ème journée ce soir. En cas de victoire de Red Star, il passait devant Vatos. Non, Restart. Restart, on va y arriver. Ouais, le Red Star, comme tu dis, ils sont en 2, mais pas de EFA. Bon, là, on est en train d'observer un magnifique rond qui tourne. Il y a eu un but qu'on a raté. Bon, on va voir si on peut le choper rapidement. Il bug, hein, dis donc. C'est Mako, là, peut-être, qui en galère. Ce petit lien, ouais. Je crois que c'est une mauvaise idée qu'on a eue. Celui-là, ouais, ça marche pas très bien. Observer un magnifique rond qui tourne. Moff Tarkin, que penses-tu du rond qui tourne? C'est pas mal. Belle circulation de balles, c'est propre. Bon bah écoutez, je crois que c'est un échec, hein. on va se retirer là-dessus malheureusement. Bon, on va mettre un peu score. On va se taper les moments forts, c'est quoi? Hop. Ouais, les moments forts ils y sont par contre, ça c'est sûr. Allez. Je les ai vus. On va attendre un peu le rond qui tourne. Les moments forts pour terminer cet extra time. N'hésitez pas à nous follow pour continuer à nous suivre de plus près. Activer la notification pour être au courant. Les lives, c'est le lundi, jeudi et dimanche. Ça, c'est de sûr. Et parfois, vous pouvez nous retrouver le mercredi pour les matchs Xbox. Et oui, c'est vrai. Ça arrivera encore une fois ou deux, c'est vrai. Même peut-être plus, on ne sait pas. Et donc là, c'est Vatos qui a répliqué au premier but, c'est ça, de Restart. C'est bien ça. Donc ça fait 1-1, on n'a pas trop le temps ni rien, on regarde juste comme ça. Et là, je crois bien qu'ils partent pour remarquer une nouvelle fois les joueurs de Vatos. Non, c'est à côté. La notif et tout, là, il y a eu un putain de suspense, mais c'était à côté. Et au final, ouais, ils prennent l'avantage là, hein, là-dessus. Ça fait 2-1. Ouais. Difficilement parable, c'est parable. Ça se dit difficilement parable, Moff? On va dire que c'est plutôt imparable. Ouais, c'est vrai. J'aime bien. Et là, ça va fuir. Clairement. C'est pas loin. Donc, on en est à 2-1 pour Vatos. Et là, sauf arrêt, ouais, bel arrêt. Faut la sortir, celle-là. Tu sais, on a l'impression qu'on veut commenter au ralenti, tu sais. Le corner. Les remises comme ça, entrée de surface. Quel enfer. Et ouais, et ça se dirige dans le but. Donc voilà, Vatos s'impose 3-1 ou peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça, ouais. Et on a le score de la Bi eSport qui gagne 4-2 contre Hawk. Hawk qui, on l'espère. Ouais, c'est une saison, on va dire, de construction hein, pour Hawk, clairement, qui a rejoint le championnat. Enfin, le manager est arrivé dans les derniers instants, donc on espère qu'il va pouvoir reconstruire. Un groupe solide pour pouvoir faire de meilleurs résultats d'ici la fin de la saison et préparer la prochaine saison. Et ben voilà. Donc.
On leur souhaite en tout cas oui, de pouvoir Voilà. rebondir avec bien sûr une On a préparation qui ne sera pas là. tronquée cette fois. Ok, donc Voilà des c'est. résultats Xbox pour terminer. Si tu veux bien t'attendre, la Proguinista qui a gagné 2-0 contre Matra Racing, but de Sergio Zekun, Mario Peluzza 45, C'est bien et qu'on une ait les noms des victoire buteurs, tu vois. 3-1. Ça Ouais. change. Une victoire 3-1 également contre la Suricate. Deux doublés de Mario Peluzza et un but de Sergio Zekun. La Suricate qui a perdu hier 3-0 contre la Reborn dans un duel donc important, qui perd aujourd'hui 3-1 contre Proguinista. Donc un championnat ben, qui va être compliqué pour eux. Faut vite prendre des points, c'est assez court. Et il faut pas se faire distancer ben, par la Proguinista et la Reborn qui enchaînent des bons résultats, qui se sont neutralisés 1-1. Tatan, tu l'avais commenté avec Sol ce match. Progen Reborn la semaine dernière. Et donc bah, ils sont bien partis les deux pour la lutte. Et on verra si Pasturicate arrivera à les rejoindre ou pas. Ouais. Eh bien, écoute, merci pour ce petit point Xbox. Retrouvez un plus d'infos sur le championnat dès dimanche, 18h30, 19h à peu près, avec Mougli et ses compères. D'ici là, passez une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. C'est un peu un extra extra time, il est minuit 30. Moff Tarkin, à bientôt. Bah merci, merci pour l'invite. Peut-être dans l'équipe de la semaine, on verra. Bonne soirée, je vais Voilà. mater mon match solo. Bah écoute, bon matage de match solo. Pas de jeu! C'est mal barré. Pas Pas de de jeu. jeu, pas de jeu. Il y aura pas du de jeu pour jeu, aujourd'hui, apparemment. N'Golo. Ben, prochaine fois, hein, dimanche, pour les football clubs, Ah, on mettra. dimanche, il y a un jeu alors. Eh ben, allez, c'est parti. Rendez-vous Voilà, dimanche. merci de nous avoir suivis les gars, n'hésitez pas à nous follow et à nous rejoindre sur le Discord pour en savoir plus si vous souhaitez participer à l'aventure EFA. On aura l'argent mis à... Allez, bonne soirée à tous. À la prochaine, salut.